Tout ça, c'est à vous. Tout ça, c'est à vous. Marc-Antoine Lebray, bonjour. Marc-Antoine, merci d'être avec nous. Alors, on va faire une spéciale jeu télé aujourd'hui. On commence avec celui qu'on aime beaucoup, c'est Julien Lepers. Bonsoir, Cyril, bonsoir à tous. Ouais. On monte le son. À la 10, on cherche une émission de télé. Émission de télé, à la 10, chez vous, là. Là. Oh, je l'aime ce jeu. 8 candidats, top, je passe sur D8, mais je ne suis pas rediffusé à 23h, 2h, 4h, 6h, 9h et 15h. Je ne suis donc pas la tête à Cyril Hanouna. Je suis basé sur la culture générale. Je ne suis donc pas les anges de la télé-réalité. Je suis présenté par Julien Courbet tous les soirs à 17h. Je suis... Le maillon faible. Ouais. Ah oui. Où qu'il est, le Cyril? Il est pas là. Il est là. On reste concentré. Cyril. Oui. Allez, on reste concentré. Tu gagnes une encyclopédie des arts de la table en 6 volumes. Merci. Ouais. Alors, on vient de parler. On accueille tout de suite Julien Courbet. Bonsoir, vous êtes sur D8 et vous allez regarder Le Maillon Faible. Devant moi, 8 candidats, un seul d'entre eux sera éliminé par ses camarades car ils auront considéré qu'il était le maillon faible. Que le meilleur gagne, voici la première manche, vous répondez après votre prénom. Enora, combien font 65 x 26 ? 1320. 1690. Si elle veut répondre correctement la prochaine fois, elle n'aura qu'à retourner à l'école. Christophe, où est le chat de la mère Michel ? J'en sais rien. Il était dans des nems. Manifestement, le cerveau de Christophe est décédé le même jour que son coiffeur. Nabila, ma grand-mère a 3 cochons. Un qui pue, un qui pète, un qui sent la... La tortiflette. Nabila... Putain, même chose, j'arrive pas. Nabila a un très beau QI, malheureusement, il lui manque le 8. C'est ainsi que se termine cette première manche. Isabelle Morini-Bosque, à l'issue de ce premier tour, vos camarades ont considéré que vos anecdotes sont interminables et qu'on n'arrive pas à vous faire taire. Vous êtes donc... Le baillon faible. Merci, Julia. Allez. Merci. Le baillon faible. Merci, Isabelle. Jeu de mots. Et à la semaine prochaine. Ça vous va très bien. Allez, on continue notre tour des jeux télé avec Jean-Luc Reichmann. Salut la compagnie. Alors Cyril, tout de suite, la question co, la question une, la question... La question coquine. Sur 100 Françaises qui regardent Koh-Lanta, combien rêvent d'y participer pour vivre une aventure avec Denis Brogniart? C'est vrai qu'il est beau gosse, Denis, et qu'avec lui, ça risque de devenir Koh-Lanta. Attention, blague, humour, rigolade. Et justement... Pour terminer, on accueille Denis Brogniart. C'est ici, sur ce plateau perdu au milieu de nulle part, que des héros viennent tenter leur chance. Tous ces aventuriers ont en commun le même objectif, gagner. Bienvenue dans Touche pas mon poste Lanta. Après la terrible épreuve du poteau, au cours de laquelle il a fallu résister debout pendant plusieurs heures sur le poteau de Jean-Michel Maire, et puis l'épreuve la plus difficile de toutes, celle de comprendre ce que dit Moundir quand il parle, c'est maintenant le moment du conseil. D'ici quelques instants, un aventurier quittera brutalement « Touche pas mon poste Lanta ». On regarde les votes. «
J'élimine Cyril parce que la sienne est plus grosse que la mienne. Je parle de sa place de parking à D8, bien sûr. J'élimine Cyril parce qu'il rit jamais de mes blagues. Or, elles font toujours un carton, donc c'est lui qui va les faire, ces cartons. Voilà. J'élimine Cyril parce qu'il ressemble à Moundir, mais en moins musclé. J'élimine Cyril, j'en ai marre qu'on dise que c'est un con. Cyril, les aventuriers ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Nous allons donc éteindre votre flambie. Oh non, c'est un ouf. Je vais le tuer. Abila m'a traité de ouf. Aventurier, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ne touche pas à mon passe d'Anta. Je prends. Marc-Antoine Lebray.